suis d'abord relayé des informations fausses. S'il vous plaît, la loi doit être impartiale. L'année passée, le ministre du Moi, je dit en juillet, nous aurons notre hôpital de référence. On va tous les Congolais attendre du bilan de 43. Jusqu'à ce que après plus d'un an, il n'y a pas d'hôpital. C'est aussi de fausses nouvelles. En temps normal, la loi va le rattraper. En dehors de ça, on dit que M. Dimoré a tenu des propos de face en guerre. Le même Dimoré a lui a dit, si nous pressions dans le pouvoir, prenez les armes. S'il vous plaît, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. C'est de l'Est, du Rennes. La justice doit être impartiale. Dimoré, dans cette condition aussi, devait répondre devant la justice. Et je me rappelle, le porte-parole de l'INI, j'oublie un peu son nom. L'ancien aujourd'hui, il a disparu. Il a eu à dire que si nous voulons, ce pays va se brûler. Christophe Kao, vous m'excusez. Ce pays va se brûler. Mais l'opposition congolaise ne va jamais brûler le pays. Si vous voulez, ils n'ont rien fait. Si nous brûlons, qu'est-ce qu'il va encore nous rester? Mobilisons-nous.